pour faire une mobilisation passive de notre épaule avec appui. Est-ce qu'on va vouloir prendre tout simplement un manche à balai? Ça peut être n'importe quel bâton en fait qui a une certaine longueur qui va nous permettre de faire ce mouvement-là ici. Donc, on va prendre le bout du bâton avec l'épaule, en fait, l'épaule qu'on veut mobiliser. Ce qu'on va vouloir effectuer comme mouvement, c'est important d'avoir un angle de 30 degrés. Donc, on ne veut pas le faire sur le côté du corps. On ne veut pas que ça soit en avant non plus, mais on va aller chercher un angle de 30 degrés comme ça ici. Ensuite, important, on ne force jamais avec l'épaule droite. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment pousser avec le bras opposé pour s'assurer qu'on ne force pas du tout de l'épaule. Comme ça ici.